Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soiscool Mec et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code sera en description, en commentaire épinglé, merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch de cette vidéo est le 0128049133744. Donc vous entrez ce code, le code sera aussi en description, en commentaire épinglé, donc vous entrez ce code et vous sélectionnez la map. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est lancer la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Alors n'hésitez pas à l'actualiser toutes les 2 semaines parce que toutes les 2 semaines il s'efface. Donc merci énormément. Par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Alors ensuite, quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option, vous allez dans menu lancer le jeu. Voilà. Et là vous allez attendre que la partie commence. Donc c'est parti. Alors je sais pas vraiment, je l'ai pas encore fait. Je sais pas vraiment ce qu'on doit faire, donc déjà je vais prendre une arme. Alors ça c'est l'item shop, donc je vois qu'on peut acheter des armes contre des pièces d'or. Normalement chaque distributeur peut vous donner de l'XP. Ok, là je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. Donc mais ça on verra par après. Là ce que vous allez faire, quand vous êtes en haut, vous allez prendre la petite étoile là. Vous passez dans la petite étoile qui est juste ici, la petite lumière. Et là normalement on doit aller quelque part. Alors je sais pas, je pense que c'est ouais, c'est là ici, en dessous de l'hélico. Vous allez en dessous de l'hélico, juste ici à gauche. Et là, il y a un coffre. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre 1 heure, les 59 minutes en fait, pour que le coffre s'ouvre et que vous puissiez ramasser les étoiles qui sont derrière. Donc, les étoiles vous donneront des pièces. Et en plus de ça, vous allez gagner masse XP. Donc, de toute façon, je vais attendre 1 heure et je vais vous présenter ça juste après. Alors ce que vous pouvez faire aussi en attendant que le chrono se termine, c'est d'aller chercher la pièce qui est juste ici. Normalement en la récupérant, vous allez gagner des XP. On va voir ça. Boum. Ok, ça m'a donné 3000 XP. Alors logiquement, il y a d'autres pièces cachées dans la map, mais je ne sais pas où exactement. Mais voilà, vous pouvez toujours essayer de les chercher. Ok, donc la porte vient de s'ouvrir à l'instant. Donc là, on va regarder combien d'XP je vais gagner. Alors, je suis niveau 29. On va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc là, il y a toutes les étoiles à collecter. Il y en a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 étoiles à collecter. Donc c'est parti. On collecte. On collecte. On collecte. On collecte. Ok, on est déjà à 200 000. 200 000. 300 000. 330 000 là. 390 000, donc 200 000, 400 000, 400 000, 400 000, 550. Et là, je crois que j'ai tout. Là, j'ai tout fait, là. J'ai gagné 450 000 XP. Donc, ça me fait plus ou moins 5-6 niveaux. Voilà, j'ai gagné 5-6 niveaux en 1 heure. Bien entendu, le glitch, il n'est pas optimal parce qu'il faut attendre 1 heure que la porte s'ouvre. Bah bon, c'est quand même pas mal. Si vous avez 1 heure... à attendre, ou que vous allez manger, ou que vous allez regarder un film, vous vous lancez dans la map, vous attendez que le coffre s'ouvre, et ensuite vous ouvrez vous interagissez avec toutes les étoiles pour débloquer un maximum d'XP. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Attendez, j'étais niveau 29, c'est ça hein? Là je suis niveau 36. Donc ouais, j'ai gagné 7 niveaux, carrément, 7 niveaux, 7 x 8. 7 x 8, 56, donc ouais, j'ai gagné plus ou moins 560 000 XP en vrai. Je croyais que j'étais à 400. À mon avis, ils ne se sont pas tous affichés sur mon écran, c'est pour ça que j'ai mal calculé. Mais là, on est à 560 000 XP. Ouais, donc plus ou moins 600 000 XP en un glitch. Donc franchement, c'est très rentable, hein. J'ai gagné 7 niveaux, presque 8 niveaux en un seul glitch. Donc c'est plutôt rentable, mais comme je vous ai dit, il faut attendre 1 heure. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soiscool Mec et ciao. Peace.